Alors, bonjour à tous et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à créer un type de business sur Internet aussi, comme d'habitude. Mais ce type de business va être un peu différent. Parce qu'en fait, ici, on ne va pas parler de, je ne sais pas, de business pour vendre des produits ou bien un business pour vendre des services, produits, etc., etc. Mais on va tout simplement parler d'un business dont le business model va être que d'autres personnes vont promouvoir votre produit à votre place. En moi, dans un business classique, vous avez un produit ou des services, etc. Et vous allez voilà, faire des campagnes de marketing, etc. Trouver, je ne sais pas, des annonceurs qui peuvent vous promotionner votre business, faire appel à des annonceurs publicitaires, etc. Et etc., etc., envoyer des emails, etc., pour promouvoir et pour faire connaître votre produit. Dans ce cas-ci, ça va être, bah oui, bien sûr, il faudra aussi voilà, que les personnes connaissent votre produit, sinon ils ne vont pas pouvoir le promouvoir. Mais ça va être à eux de promouvoir vos services, vos produits. Et dans ce cas-ci, ou dans la plupart des cas aussi, ça va être des sites. Donc, le cas le plus commun, c'est des sites de rencontres. Donc, par exemple, il y a donc en fait, voilà, d'abord le nom du business, ça va être un réseau d'affiliation. Donc, c'est pas voilà l'affiliation. Souvent, les personnes interprètent ça, parce que, voilà, tout le monde fait ça. Donc, pardon, vous avez un service, je ne sais pas, le service à Weber, par exemple. Vous vous inscrivez en tant qu'affilieur. Vous avez un lien pour mettre ça dans votre blog, etc. Vous dites à Weber, c'est super machin. Vous pouvez essayer à Weber sur ce lien et vous allez avoir, mettons, 10% ou 20% de taux de commission. Dans notre business, ça va être un petit peu différent vu que vous allez, justement, ça va être à vous, ça va être vous à Weber, mais sauf que vous, ça va être. Tous vos services vont devoir être promus par l'affiliation. Donc, c'est un réseau d'affiliation. Vous pouvez regarder un des exemples, c'est par exemple Dating Affiliation, donc D-A-T-I-N-Z, Trade Union, AFFILIATION.com. Vous avez aussi, comment ça s'appelle encore, Carpe Diem, donc CARPEDIEM, c'est .fr. Et vous en avez encore d'autres, Easy Flirt, mais là, eux, ils fonctionnent pas sur moi via l'affiliation, donc c'est un peu différent, c'est pas tout à fait notre type, mais Easy Flirt, affiliation, ils font aussi ça, même si c'est pas encore exactement le même type que notre type de business. Donc voilà, donc premièrement, vous allez avoir plein de sites d'abonnement, des sites, mettons, de rencontres, d'abonnement. Vous pouvez créer ça facilement, je ne sais pas, je promouvoir par mon logiciel. Voilà, vous pouvez l'essayer, il n'est pas c'est mon logiciel, donc mon opinion est très subjective. Mais c'est vrai qu'en tout cas, je fais de mon mieux pour que ça soit le meilleur. C'est PH7CMS, donc PH7CMS.com. Vous avez la version totalement gratuite, et après, si vous voulez aller vers la version professionnelle, évidemment, là, c'est pas gratuit. Sinon, vous en avez d'autres, comme Skadate.com. Vous avez Dating Script, donc Dating.com. Et vous en avez encore plein d'autres, vous pouvez regarder ça facilement sur Google. Donc, la première chose à faire, c'est créer plusieurs sites. Plein de sites de rencontres différents, sur des domaines différents, et souvent sur des niches très différentes, avec des abonnements payants. Après, ça peut être à vous à promotionner tous ces sites. Vous allez créer une plateforme d'affiliation. Vous pouvez facilement trouver quelqu'un pour créer ça et vos sites de rencontre aussi. Vous pouvez, si vous voulez des sites faits maison, vous pouvez aussi trouver des personnes sur Upwork, upworta.com, ou bien, je ne sais pas, freelance.com, ou vous avez encore d'autres. Hein, vous pouvez faire sous-traitance, informateur, développement web. Sur Google, et vous allez en trouver plein. Pour finir, donc voilà, vous devez trouver évidemment des personnes sérieuses, etc., pour faire tout votre business. Et après, le réseau d'affiliation. Donc, ce sera le réseau d'affiliation, vous devez faire ça. Vous devez vraiment trouver quelqu'un, ou bien si vous êtes développeur, vous pouvez faire ça vous-même. Moi, je suis en train d'en créer un. Donc, il sera prêt, je le mettrai en ligne gratuitement, comme d'habitude, sur mon GitHub. Sinon, oui, c'est vrai que j'en ai essayé plein de strips d'affiliation, mais il n'y en a aucun, même les payants, hein, tous, il n'y en a aucun qui répond vraiment à nos besoins pour voilà, les strips d'affiliation que vous pouvez trouver. C'est simplement pour promouvoir un seul site, mais pas pour plusieurs sites, pas un réseau d'affiliation comme nous on veut faire. Donc, oui, ça, vous devrez faire ça par vous-même.
et par la suite vous allez donc justement mettre plein de tous vos sites sur ce réseau d'affiliation. Et après, pour avoir vos prospects, vous pouvez tout simplement trouver des forums. Donc, je ne sais pas, il y a il y a un forum de marketing, je ne me souviens plus exactement du nom, c'est Warm, je ne sais plus trop le nom, donc vous pouvez justement dire, ah, vous, si vous voulez avoir plein de pognon, vous pouvez promouvoir mes sites, mon réseau d'affiliation est machin, vous pouvez trouver sur d'autres forums aussi, vous pouvez faire ça, ou bien vous pouvez contacter, voilà, vous pouvez strapper des emails et ou contacter des blogs qui parlent du domaine de la rencontre. Par exemple, s'ils ont des bannières publicitaires, vous pouvez leur dire que justement, bah, les publicités, on ne gagne rien avec, et que vous avez une solution bien mieux qui va les permettre de gagner beaucoup plus. Et vu qu'ils sont nouveaux, vous pouvez même offrir, mettons, 70% de taux de commission une fois que, évidemment, une personne, un visiteur de leur blog est passé par le lien ou par la bannière et a souscrit à un abonnement en ligne. Donc ça, c'est vraiment un bon business. Et surtout maintenant, de plus en plus, il y a des sites de rencontre qui proposent des abonnements à 100€ facilement. Donc vous pouvez facilement avoir du bon pognon. Donc voilà, il faut simplement trouver des personnes pour promouvoir tous vos sites. Donc des sites nichés, c'est bien mieux. Vraiment niché, vous pouvez vraiment aller super loin. Je ne sais pas, pêcheur de Galway, parce que voilà, là je suis à Galway, comme vous pouvez le voir sur ma caméra, ou pêcheur d'Avignon, ou pêcheur, ou pourquoi pêcheur, soit ici, je suis à la mer, donc, mais sinon vous pouvez, je ne sais pas, pilote d'avion, rencontre, etc. Facilement vous pouvez faire des sites de rencontres comme ça, vraiment très nichés, et après les mettre sur votre plateforme, et donc les personnes qui vont adhérer à votre plateforme vont pouvoir promouvoir vos sites. Et à chaque fois que une personne s'inscrit et achète votre formule abonnement, ils vont recevoir une commission de, voilà, vous pouvez décider, vous pouvez même faire 90% etc. de commission au début, surtout pour bien lancer votre business. Vous avez aussi d'autres plateformes d'affiliation où vous pouvez souscrire. Donc il y a des plateformes d'affiliation, je ne me souviens plus trop, ça s'appelle, vous pouvez mettre plateforme d'affiliation sur Google, vous allez retrouver plein, et donc vous pouvez inscrire votre réseau d'affiliation sur cette plateforme, et comme ça votre site sera connu plus facilement. J'espère que cette petite vidéo va vous aider, si vous aimez évidemment ce domaine, sinon ça ne sert à rien. Et nous on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut à tous, bye bye.